Thank you.
Oh mec, j'ai mon micro enlevé depuis le début là? Non. Mec. Bon bah ça sera une vidéo non commentarie. What the fuck? Comment ça se fait qu'il est désactivé? Oh là 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 là. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est 30 minutes où je réussis très très vite les trucs. Oh c'est chiant. Oh, j'ai la flemme de faire du post-prod, hein, de parler au-dessus. C'est pas grave, ça sera un stream en mode c'est bon, je fais ça vite fait. Donc, ouais, je disais, regarde sur les facées, 13 morts pour la première, 7 morts pour le deuxième, 30, 3e, 34, 4e, 5e, 29, 6e, 18, 7e, 14 et 8e, 23. Voilà. Et tout ça en 30 minutes. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'avais dit. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Merde. Oui, que. Putain, je suis surpris moi-même de que je maîtrise à ce point le jeu, tu vois. Genre, vraiment, je m'y attendais pas en fait. Je maîtrise autant. Genre, vraiment, les deux premières sauvegardes où j'ai fini le jeu à 100%, ça, je pense que ça me. C'est revenu un peu dans les muscles, tu vois. La mémoire musculaire, c'est pas de la connerie. Hein. On se souvient de tout. Et après, tu le dis assez fort. Et après, je me suis toujours demandé si à quoi ça servait de déplacer les cœurs ici. Peut-être que si on fait un certain note, ça fait un certain ordre, ça fait une phrase. J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. C'est peut-être un historique de ouf. Bref. Du coup, et bah ça serait une vidéo non commentarie. Alors que je dis bonjour YouTube et tout au début. Putain, je suis vraiment deg par contre. DSL YouTube. En plus, j'avais fait un petit discours et tout. Oh là là. Ça sera tombé aux oubliettes. MDR. Terrible vie. Terrible histoire, tout ça. Au pire, là, je l'ai refait et je refais mes discours. Non. Hop. En tout cas, on va faire une petite pause ici. Je vais dire au revoir à YouTube ici. Et après, on va faire le chapitre 8, en fait. Le chapitre 9. Ou sinon, ce sera juste un petit stream de 30 minutes. Et chapitre. Ouais, non, je vais faire ça. Parce que chapitre 9 est long. Il est vraiment long. Du coup là c'était juste un petit stream de 30 minutes où je fais mes trucs. Je pensais pas que ça allait durer 30 minutes en fait. J'ai fait vraiment les trucs trop rapidement. Donc là je vais laisser comme ça. Je vais terminer ma vidéo ici. Et puis demain je vais stream le chapitre 9. Où je vais faire chapitre 9, je vais vraiment tout faire. Ça va être une vidéo assez longue je pense du coup sur YouTube. Ça va être tout le chapitre 9 plus la fraise bonus je pense. Parce que maintenant. Comme je l'ai fait une fois la fraise bonus de ouf, je pense que je vais m'en souvenir et je vais le faire plus rapidement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur YouTube. Des DSL Shadow Victor Tart. T'as pas tout vu. Tu verras ça en rediff. Et DSL YouTube pour le micro. Ce sera du pur gameplay. Mais en même temps, c'est du beau gameplay, je pense, là, parce que j'ai fait quelques morts. Bref. Je vais juste redire un peu ce que je voulais dire pour le. Parce que pour. En gros, ce que j'avais dit pour le chapitre 4, c'est. Le truc est chiant, c'est gérer le vent et. Vraiment, faut vraiment être contre le vent. Merde, toujours contrebalancer avec le joystick et tout, c'est. C'est le truc vraiment le plus difficile. Et gérer sa vitesse et tout comme il faut. Chapitre 5, c'est vraiment, il faut maîtriser le dash plus saut contre les murs. Et bon, ça, je maîtrisais assez, donc ça allait. Faut avoir de la précision, de la précision et de la bonne maîtrise du saut, quoi. Chapitre 6, c'est surtout de la maîtrise de saut pareil. Voilà, c'est surtout avec les blocs en fait.
pour la phrase avec les cœurs. Oh, merci, mec. Attends, je vais regarder ça tout de suite. Je pensais vraiment pas qu'il y avait un truc. Ok. Attends. Tac. Attends. Mais c'est où du coup qu'on... Bon bref, attends, ce que je voulais dire. Ouais, y a rien. C'est juste, tu peux essayer de faire des phrases et tout, mais c'est tout quoi. Y a pas de truc bonus. Ça, sinon, ça aurait fait un peu de bruit, tu vois, le fait de mettre dans l'ordre des trucs. Et voilà. Bon, bref. Chapitre 6, voilà, c'est maîtrise aussi des blocs, voilà, qui vont vite et tout. Il faut, c'est beaucoup aussi de précision dans le gameplay, sur les phases où tu descends juste et tu dois éviter les pics. Et chapitre 7, alors chapitre 7, pour la phase C, c'est très intéressant, mais le dernier tableau, c'est full, mais c'est que de la précision, mais vraiment à fond, genre il faut, c'est full précision, et il faut vraiment appuyer les touches au bon moment, appuyer sur les touches au bon moment, parce que tu fais même pas enfin tu fais quelques pixels d'erreur et tu crèves, quoi. Et il faut avoir une bonne vitesse d'exécution aussi, parce que tu t'arrêtes jamais, il n'y a pas de moment de pause. C'est vraiment ça qui est difficile. Mais une fois que tu maîtrises les endroits, que tu apprends comment où dash tout ça au bon moment, à un moment donné, ça passe. Il faut un peu de maîtrise aussi sur les sauts, mais c'est tout quoi. Et pour chapitre 8, c'est vraiment la fin. La fin est vraiment exceptionnelle, c'est mon truc préféré. Hein. Vraiment, la fin, c'est vraiment un espèce de gros best-of de tout ce que tu fais. Et c'est magnifique comme fin de jeu. C'est le rush final. T'as tous les gameplays qui se mélangent. C'est vraiment magnifique. Vraiment très très stylé. J'adore. Vraiment, ce rush final du chapitre 8 est vraiment très très stylé. Avec le stress des flammes qui montent ou de la glace qui descend. Du très très bon. Voilà. C'est pour finir le jeu, c'est très très bon. Après, du coup, on a chapitre 9, le DLC gratuit qui nous attend, hein. Le chapitre Adieu, qui va vraiment être incroyable. Il n'y aura pas de fraise, du coup, c'est que du gameplay, il faut aller jusqu'au bout. Il y a juste une fraise sur la fin, une fraise bonus avec un truc en plus qui est assez difficile. Mais sinon, c'est vraiment super cool. Ça va être de la détente, chapitre 9. Hein. Ça va être beaucoup de détente, ça va être très très chill. Bref. Merci d'avoir suivi. Et merci pour le stream, merci pour YouTube. Et à la prochaine.